Aujourd'hui, on va réaliser une délicieuse recette de crosotto aux quatre fromages. Alors, on fait revenir un oignon dans un petit peu d'huile. Dès qu'il est translucide, on ajoute les crozets, on mélange bien et on ajoute du bouillon, de légumes, on ajoute de la crème liquide, un petit peu de poivre et on va ajouter les fromages. Donc, de l'emmental, du beaufort, de la raclette et du reblochon. On laisse cuire et on n'a plus qu'à déguster avec un petit peu de persil. C'est délicieux, tu vas voir, tu vas te régaler. Allez, bon appétit. On retrouve la recette sur demotivateur.fr. Aujourd'hui, on va réaliser une recette de potimarron au mont d'or, une vraie tuerie. Pour commencer, c'est facile. On découpe le potimarron et ensuite, on retire toutes les graines. On enfourne 30 minutes à 180 degrés. On ajoute le mont d'or et pour peler l'ail hyper facilement, on le passe quelques secondes au micro-ondes, on l'émince, on l'ajoute au potimarron, on ajoute un petit peu de vin blanc et on réenfourne 15 minutes. Pendant ce temps, on découpe le pain en cubes et on l'ajoute sur la plaque de cuisson. Et il n'y a plus qu'à se régaler. Bon appétit et retrouve tous les détails de la recette sur le site demotivateur.fr.